Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant parce que ça vient tout juste de sortir, mais la bouquinade nous propose un super challenge pour le mois de juin. Donc le challenge c'est le challenge Young Adult et j'ai beaucoup trop hâte. Il se déroule du 1er juin au 30 juin et franchement ça va vraiment être super. Donc pour les explications vous pouvez directement aller sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans le petit i et en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Le challenge se compose de 6 catégories et ça franchement je trouve ça top car ça permet de ne pas se mettre de pression pour réussir le challenge. Parce que si vous êtes comme moi, que vous vous lancez dans plein de challenges avec X catégories et que vous n'arrivez jamais à toutes les remplir, et ben le challenge de la bouquinade va peut-être vous aider à réussir le premier challenge de votre vie comme moi. En plus de ça, vous pouvez mettre un livre, enfin, il peut valider plusieurs catégories, donc ça pareil c'est top. Trêve de blabla, allez voir sa vidéo, ce sera beaucoup mieux. Et moi je vais me contenter de vous présenter ma palle. Alors du coup, la première catégorie c'est lire un one shot, et là j'ai choisi Le Royaume Assassiné. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, en plus c'est vrai que les one shots c'est trop cool. Parce que s'embarquer dans des sagas qui n'en finissent plus, ça va un moment, mais lire one shot c'est carrément cool aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. C'est une réécriture du conte de la petite sirène. Et franchement, ça me tente bien depuis que je l'ai dans ma palle. Donc il va être lu en juin. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est lire une relique de sa palle. Alors là, autant dire que dans ma bibliothèque, j'ai un tas de reliques. Parce qu'avec ma pile à lire qui déborde, ben, forcément, je ne peux pas tous les lire, quoi. Donc j'en ai qui datent, je ne saurais même pas dire, ça fait un bail. Et j'ai choisi donc de lire Métamorphose. Donc celui-là, ouais, je l'ai depuis au moins 3 ou 4 ans, voire plus. Et je pense que ça peut être bien. Après, il me tente. En fait, je demande à voir parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler de ce livre. Mais c'est vrai que la couverture m'avait assez interpellée. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais du coup, ben, je ne l'ai jamais lu parce que c'est vrai que j'en ai pas entendu plus que ça parler. Et comme je suis très influençable, ben voilà. En même temps, Bookstagram, c'est dur. Hein. Quand on voit tous les avis passer, ça donne envie d'acheter. Bref. Donc je vais lire celui-là pour cette catégorie-là. Ensuite, la troisième catégorie, c'est lire un livre avec des secrets, des complots. Alors là, j'ai pas mal hésité, mais je me suis dit que La Duperie de Guenièvre entrerait dans cette catégorie parce que j'ai lu le résumé. Et en gros, il est noté, le premier paragraphe, c'est dit son vrai nom et sa véritable identité sont en secret. Donc je pense que bon, ça rentre dans même le titre, hein, au final, La Duperie de Guenièvre. Je pense que ça rentre pile dans cette catégorie. Et comme j'avais envie de le lire. Après, ce qui m'embête, je vous avoue, c'est que ben, c'est encore une saga. Et la suite n'est pas traduite pour le moment, comme il vient de sortir. Donc ça m'embête un peu, mais bon. Voilà, on va lire celui-là. Alors ensuite, on a lire une suite de saga. Donc non, celui-là, je vais vous le dire après, parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va passer cette catégorie lire une suite de saga, vous comprendrez pourquoi après. Et on va passer directement à la cinquième catégorie qui est lire un livre avec de la royauté. Et là j'ai choisi Le Prince Cruel. Je l'avais dit que je lirais pendant le mois de la fantasy, mais clairement ça va pas être possible, je pourrais pas lire. Donc je l'ai reporté sur ce challenge et j'ai trop hâte de le lire, il va être trop cool.
Voilà, donc ce sera le prince cruel. Donc je reviens à la quatrième catégorie qui est lire une suite de saga. Vous allez comprendre. Parce que en fait, je vais lire le tome 2 du prince cruel. Et parce qu'on m'a dit qu'il fallait vraiment enchaîner. Je me connais, et je vais vouloir tous les enchaîner. Donc je pense que ça peut être une bonne manière de remplir cette catégorie. Donc ce sera le roi maléfique pour cette catégorie-là. Donc la dernière catégorie, c'est lire un livre le plus vite possible. Et pour cette catégorie, j'avais vraiment envie de prendre un livre un peu plus court. Parce que là, mine de rien, c'est quand même de beaux pavés. Et du coup, un livre un peu plus qui se lit un peu plus rapidement pour cette catégorie, je pense que ce serait pas mal. Et donc pour ça, j'ai choisi De l'autre côté du mythe, donc Penthesilea. Je suis désolée si je prononce mal, mais c'est compliqué. Et voilà, il fait. Attendez, je vous dis ça. Il fait 160 pages. Donc clairement, en 2 heures, ce sera bouclé. Je pense qu'il entrera parfaitement dans cette catégorie parce que ça peut se lire rapidement. Et en plus de ça me fera une petite pause entre les gros autres livres. Donc voilà. Donc vous avez toute ma palle. En tout cas, j'ai trop hâte de faire ce challenge, d'être en juin. Et là, je sens que je vais y arriver. Franchement, ça devrait le faire. Mais je pense que je vais lire le prince cruel et le roi maléfique en dernier. Comme ça, je pourrais peut-être enchaîner sur le tome 3 en VO. Parce que j'ai envie de m'essayer à lire en VO. Donc voilà, ce sera une bonne occasion. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire ce challenge. Franchement, il faut le faire, ça va être trop cool. Et voilà, et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine prochaine, ce sera comme d'habitude le bilan du mois de mai. Parce que oui, on est déjà à la fin du mois de mai, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Et voilà. Et bien en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!